Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre discussion sur la probabilité. Et comme vous pouvez voir, j'ai une roulette ici dans la présentation. Et on utilise les roulettes souvent dans les jeux de société. Et comme vous pouvez voir, il y a deux parties de ma roulette. Il y a une partie bleue qui dit oui et une partie orange qui dit non. Donc, je vais faire une question. Je vais poser une question. Et on va voir où la roulette va s'arrêter. Est-ce qu'il va s'arrêter sur oui ou est-ce qu'il va s'arrêter sur non? Donc, ma première question, c'est est-ce que je devrais donner des gâteries, c'est comme un treat, à mes chats? Oui ou non? On va voir. On y va. La roulette dit... Non, pas de gâterie pour mes chats, c'est dommage. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il va faire soleil aujourd'hui? Oui ou non? Ça dit, oh, non, encore une fois, aïe, aïe, aïe. Comme vous pouvez voir, ça dit, on a obtenu deux fois. Ma prochaine question est... Est-ce que je dois lire aujourd'hui, lire un livre aujourd'hui? Non, une troisième fois! Je pense que cette roulette aime dire non. Ma prochaine question, est-ce que je devrais nettoyer ma maison aujourd'hui? Oh, j'espère que ça va dire non. Mais on va voir. Ah, bien sûr, ça dit oui. Et on va faire une dernière question. Est-ce que je devrais faire de la bicyclette aujourd'hui? Oui ou non? Ça dit non. Regarde ça, mes amis. On a obtenu non 4 fois. On a obtenu oui seulement une fois. Donc, c'est 1 sur 4 pour oui. Regardons notre roulette de plus près. Bien, je peux voir qu'il y a deux parties. Il y a la partie ici qui dit oui, et puis la partie ici qui dit non. Donc, quelle est la probabilité que je vais obtenir un oui? Bien, on peut utiliser des fractions pour dire la probabilité d'avoir oui comme une réponse. Donc, il y a une partie qui dit oui. Je vais écrire 1 comme numérateur. Et puis, combien de parties y a-t-il en tout? Ben, il y a une partie là et une partie là. Donc, il y a deux parties en tout. Alors, la probabilité que je vais obtenir oui, c'est 1 sur 2 ou, on peut dire, une demi. C'est la même chose pour la partie qui dit non. Donc, il y a une partie qui dit non et puis il y a deux parties en tout qui égale une demi aussi. Donc, la probabilité qu'on va obtenir un oui, c'est une demi et la probabilité d'obtenir un non, c'est une demi aussi. Alors, c'est probable qu'on va obtenir les deux. Les deux parties ont la même chance, la même probabilité. Maintenant, on va changer notre roulette un petit peu. Comme vous pouvez voir, il y a trois parties maintenant. Il y a une partie verte, une partie orange et une partie bleue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que l'aiguille va s'arrêter? On verra. Alors, en premier, ça va s'arrêter sur... La partie orange qui dit non. On va le faire encore une fois. Oh, c'est arrêté sur le non encore. Et on va le faire tourner encore une fois. Oh, maintenant c'est sur la partie bleue. Intéressant. Encore une fois. Oh, finalement, la partie verte, très bien. On va le faire une fois de plus.
Je pense que la roulette aime dire non. Alors, regarde ça. Quand on l'a fait tourner 5 fois, l'aiguille s'est arrêtée une fois sur la partie orange qui dit, je m'excuse, la partie bleue qui dit « maybe », peut-être. Puis, l'aiguille s'est arrêtée 3 fois sur la partie orange qui dit « non ». Et puis, l'aiguille s'est arrêtée seulement une fois sur la partie verte qui dit « oui ». Maintenant, regardons cette roulette de plus près. Donc, quelle est la probabilité que l'aiguille va s'arrêter sur la partie verte? Bien, si je voulais faire une fraction pour représenter la probabilité, je vois qu'il y a une partie qui est verte. Alors, ça, c'est ma numérateur. Je vais juste changer la couleur. Ensuite, combien de parties y a-t-il en tout? Bien, il y en a un, deux et trois parties. Donc, la probabilité que l'aiguille va s'arrêter sur la partie verte, c'est un tiers, un sur trois. C'est la même chose pour les autres parties aussi. Pour la partie bleue, il y a une partie bleue sur trois. Et pour la partie orange, c'est la même chose. C'est un tiers. Donc, c'est moins probable qu'on va obtenir bleu cette fois-ci que dans la dernière roulette parce qu'il y a plus que deux parties. Il y en a trois maintenant. C'est moins probable qu'on va obtenir un orange aussi parce qu'il y a seulement une partie orange sur trois. Même chose pour la partie verte. C'est moins probable maintenant qu'on va obtenir le vert parce qu'il y a juste une partie verte et deux parties qui ne sont pas vertes. Voici une autre roulette qu'on va utiliser pour un exemple. Alors, vous pouvez voir qu'il y a quatre parties égales, quatre parts égales sur cette roulette. On a une partie violette, une partie brune, une partie verte et une partie bleue. Maintenant, je vais le faire tourner et on va voir où l'aiguille va-t-elle s'arrêter. Alors, on y va. OK, alors c'est une fois sur la partie violette. On va le faire encore. Oh, OK, elle s'est arrêtée sur la partie violette encore. Oh, je pense que la roulette aime la partie violette cette fois. C'est trois fois sur la partie violette. Finalement, on a quelque chose de différent. L'aiguille s'est arrêtée sur la partie bleue. On va faire une de plus. Et wow, intéressant, sur la partie violette encore une fois. Maintenant, quelle est la probabilité que tu vas obtenir la partie verte ici? Si on pourrait utiliser une fraction, quelle serait la fraction pour représenter la probabilité d'obtenir la partie verte? Bien, il y a juste une partie verte, donc je vais écrire 1 pour le numérateur. Et combien de parties y a-t-il en tout? Ben, je peux voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 parties en tout. Donc, la probabilité que tu vas obtenir le vert, c'est 1 quart ou 1 sur 4. Et c'est la même chose pour les autres parties, parce qu'il y a une partie brune et il y a 4 parties en tout. Il y a une partie violette, mais il y a 4 parties en tout. Et il y a une partie bleue. Et 4 parties en tout. Donc, la probabilité que tu vas obtenir une couleur en particulier, c'est moins probable parce qu'il y a plus de sections qu'il y a, moins de chances qu'on a pour obtenir une couleur. Et c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Comme d'habitude, allez à la page accueil et vous pouvez faire des activités de suite et le billet de sortie. Et je vais vous voir demain. Au revoir!